Yo tout le monde, c'est Solution sans Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour faire le boss qui s'appelle Duel. Donc du coup, le boss Offroad on va faire aujourd'hui. Eh oui, faut bien faire les boss, hein. Faut que je te dise, Hiro, j'aime pas trop ce qui se passe. Les relations entre moi et ton pilote sont, comment dire, un peu tendues. La faute à qui, hein? De mon point de vue, tu penses qu'à ta gueule depuis qu'on est associés. Alors si on en est arrivé là, c'est de ta faute. On s'en fiche de qui est coupable. Il nous faut une solution. Normalement, quand un pilote me gonfle, je le vire. Mais ton pote, il est un peu trop populaire. Voilà ce que je propose. Une course. Un contre un, pour régler nos comptes. Et si je perds, je me casse. Mais si je gagne... Tu sais quoi? D'accord. Eh ben Young, il est pas très commode, hein. Bon. Eh ben on va se le faire. En plus, on a un véhicule qui est beaucoup plus puissant qu'avant. Parce qu'en plus, ben, du coup, le rallycross, avec les réglages pro, il est vraiment beaucoup mieux maintenant. Nous, on prend le petit raccourci. Qui est un peu tendu en vrai, hein, comme raccourci. Tu tiens le coup plutôt pas mal. Franchement, je pourrais te dépasser les yeux fermés. Il est vachement loin derrière. Je me rappelle qu'avant il était vraiment très près. Encore 2-3 km et tu rentres chez toi. Ouais, il est vraiment derrière, hein, parce qu'avant, je me rappelais que cette épreuve là contre. Le boss Offroad, c'était très 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 dur. Hein. Parce qu'il est vraiment derrière toi normalement. Ouais, mais là franchement, je l'ai fait largement. Donc ça va, on peut y aller plutôt tranquille parce que ça va. À partir d'ici que ça va commencer très très dur. Mmh.
quand on arrive au bout. Quoi, là? On avait un deal, Wade. Tu perds, tu dégages. T'as plus qu'à respecter ta part du marché. Ah non, pas question. Même pas en rêve. Et c'est quoi ce deal? Y a quelqu'un qui sait de quoi il parle? Oui, moi. Et puis je suis pas toute seule aussi. Ferme-la, espèce de... Vous avez rien entendu. Essaie pas de te défiler, Wade. Tout le monde t'a entendu accepter le pari. Tu vas quand même pas oublier ta promesse. Vous savez quoi? Vous avez raison. Je me casse. Mais vous avez pas fini d'entendre parler de moi. C'est pas les routes qui manquent dans ce pays. Bon. Bah, il reste plus qu'un point à régler. En battant Wade, t'as eu assez de points. Mais tu les as eus en battant Wade. Si tu veux le titre de champion, va falloir me battre moi. Détends-toi, Tuck, on n'a rien contre toi. Et j'ai rien contre vous. Mais il faut bien qu'il y ait un champion. Alors on va faire une dernière course, face à face, pour voir qui est le meilleur en off-road. Quand vous serez prêts, bien sûr. Ah ouais, d'accord. Ah, une deuxième course, hein. Ah, c'est beaucoup plus tendu quand même que Street Race. Allez, on va voir qui est le vrai champion. Pour l'instant, je l'ai déjà doublé, hein, je sais pas quand. Hein. Voyons ce que tu penses de ça. Bon, ça va, franchement, c'est facile. Ah, j'ai loupé. En vrai, moi je profite du paysage, hein. Je profite du paysage parce qu'il est vraiment magnifique. Bravo! Big up à toi, c'est toi le champion. Et tu nous as débarrassé de Wade en plus, coup double. Et pour la suite, il va y avoir un paquet de pilotes à la recherche de conseils maintenant. C'est qui va leur donner? Eh ben, personne m'a demandé mon avis, mais je crois que je l'ai, le candidat idéal.
C'est toi, Tuck. Qui ? Moi ? Non, je pense pas pouvoir faire ça. Pourquoi ? Tu connais les pilotes, tu connais le terrain, qui pourrait faire ça mieux ? Je sais pas. Bon, ok, je vais faire mon possible. Au moins jusqu'à ce que quelqu'un de mieux arrive. Mais t'inquiète, je serai jamais très loin. Ah, tu nous manquerais trop sinon. Ouais, c'est bien, c'est vraiment bien. C'était celui sans trophée, on se retrouve demain tout à l'heure pour une nouvelle épreuve, pour un nouveau boss. Bonne journée, bonne soirée, bisous, bye, bisous les gars, bisous les filles, bisous les abonnés. Merci de m'avoir regardé, c'était celui sans trophée.